Eldorado de Laurent Godet. C'est un livre sur l'immigration clandestine avec des destins croisés un peu à la Inaritu. Très très beau livre sur les points de vue sur l'immigration. J'ai fait Breaking Bad, j'ai adoré, je trouve ça phénoménal. Bah, l'ambition de faire de chaque épisode un petit long métrage, quoi, avec vraiment cette qualité-là d'écriture, d'invention dans la mise en scène. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est une série qu'on tourne au kilomètre, quoi. À chaque fois, t'as des idées, des détails, des plans que tu comprends plus tard dans la saison, mais qui sont toujours des plans artistiques travaillés. Donc, une vraie DA, une vraie qualité d'écriture. Rétrograde de James Blake, que j'ai beaucoup écouté. J'adore l'invention qu'il a, cette voix, ce côté mystérieux dans ses chansons. Un truc que j'écoute beaucoup sur les plateaux quand je travaille aussi. The Place Beyond the Pines, avec Ryan Gosling, Bradley Cooper. Moi, je suis très très fan des films chorales quand c'est réussi. Il y avait une très belle idée de fond sur l'héritage entre un père et un fils, et ce, dans plusieurs vies, avec plusieurs points de vue. Ça me touche toujours quand il y a un côté assez universel et relié en même temps par toujours un fil d'humanité entre les gens. Et, je sais pas, ça, c'est un truc qui me touche, qui est un film qui m'a beaucoup bouleversé. Ouais.